Bonsoir, la grisaille s'est imposée sur la plupart des régions ce dimanche et ce sera le même programme pour notre début de semaine. De la grisaille sur une grande partie du territoire, quelques bruines éventuellement, notamment sur la moitié nord, et puis toujours du soleil des Pyrénées aux Alpes et jusqu'à la Méditerranée, mais avec Mistral et Tramontane et l'après-midi finalement pratiquement aucune évolution à vous signaler, avec encore un temps gris pour les trois quarts du pays. Les températures de votre lundi matin, quelques gelées principalement au sud-ouest et près des vallées alpines, et l'après-midi des valeurs qui grimpent un peu par rapport à aujourd'hui. Ça reste bien frais de l'est jusqu'aux Pyrénées avec 3 à 5 degrés, mais comptez quand même sur 10 à 11 degrés près des côtes de la Manche et jusqu'à 16 degrés pour la Côte d'Azur. Mardi, changement de programme avec une petite perturbation et qui parviendra à s'infiltrer. Petite pluie en pleine et un peu de neige pour les reliefs. Retour des éclaircies pour le nord-ouest et toujours un temps lumineux mais très ventilé pour la Méditerranée. Les températures seront globalement proches des normales de saison pour cette journée de mardi. Mercredi, on bascule en flux de nord avec un ciel de traîne, et comme les températures seront assez basses, on aura des giboulées jusqu'en plaine pour le nord-est et pour le centre-est. Ça tiendra notamment dès les premières hauteurs. Beaucoup de neige à prévoir du côté du Jura, des Savoies ou encore en Suisse. Plus d'éclaircies pour l'ouest et pour la Méditerranée avec toujours beaucoup de vent, et les températures hivernales pour cette journée avec seulement 3 ou 4 degrés pour les régions de l'est. Jeudi, on retrouvera des conditions plus calmes entre nuages et éclaircies, éventuellement quelques flocons pour le flanc est et quelques giboulées au pied des Pyrénées. Des température toujours hivernale. Vendredi, les nuages vont revenir sur la moitié nord, accompagnés de quelques gouttes, précédées même de quelques flocons en allant vers le nord-est. Et puis pour le week-end prochain, ça s'annonce vraiment très maussade avec des conditions grises sur la plupart des régions, quelques petites pluies plus régulières en allant vers le nord-est, et les flocons seront au programme sur la plupart de nos reliefs. On en reparlera demain. Nous serons le lundi 7 janvier et nous fêterons la Saint-Raymond. Bonne soirée à tous et à demain.